Vital Concept B&B Hotels have a new rider for 2019. With ambitions including a possible Tour de France wildcard, Pierre Rolland is at the heart of the French Pro Continental team's plans. J'ai été séduit par le projet de Jérôme Pinault, et voilà, il y a aussi le fait que Jérôme était séduit par mon duo avec Cyril Gauthier, qui est l'un de mes meilleurs amis. Voilà, l'ensemble du projet me plaisait énormément, et le rôle qu'on me donnait était l'un des rôles les plus excitants qui m'était proposé. Unfortunately, Rolland suffered a wrist fracture at the Drôme Classic, forcing him out of Paris-Nice, where he'd hoped to compete for stage wins. A characteristic the 32-year-old has been known for throughout his career. Ma victoire sur le Giro en 2017 a vraiment été un grand moment pour moi, parce que c'est un peu à l'image de mes trois années chez Cannondale et EF. C'était un peu beaucoup de malchance. He lifts his bike aloft in celebration. Cannondale, of course, the main sponsor and the provider of the bike. This means an awful lot to this team. They had a two-year gap. Now they've got a Grand Tour win to add to their tally. It looks like the dam has finally burst. Toujours capable de faire des top 10 sur les grands tours ou sur des courses d'une semaine difficiles comme le Dauphiné. Mais c'est pas forcément quelque chose où je prends énormément de plaisir que de m'accrocher jusqu'à peu plus et au final de terminer 7e ou 8e d'une course. Je préfère mettre peut-être ces ambitions-là de côté et essayer de vraiment aller chercher des victoires. Et puis cette émotion qu'on a quand on franchit la ligne, elle est tellement plus belle, plus forte que de terminer 7e ou 6e d'un Dauphiné ou d'un Tour de France, même si c'est une performance énorme. Mais d'un point de vue émotionnel et sensation, voilà, je préfère 100 fois gagner une étape que terminer 6e d'un grand tour. Et s'il y a une étape de montagne à gagner dans sa carrière, c'est l'Alpe d'Huez ou peut-être le Mont Ventoux. Mais c'était un moment magique où, quand j'ai franchi la ligne, je me suis dit, il va se passer quelque chose. À 200 mètres de la ligne, je me suis dit, ah, il va encore m'arriver quelque chose, c'est pas possible. Je suis passé plein de fois à côté, sur le Dauphiné ou sur des Paris-Nice, de faire deuxième, troisième d'étape, mais là, c'était le Tour de France. Gagner un maillot distinctif sur le Tour, c'est quelque chose de grand, parce qu'il n'y a que 4 maillots distribués sur les Champs-Élysées. Voilà, le maillot blanc, l'arc de triomphe, c'est vraiment une récompense magique. Quand on se retourne et qu'on est là, c'est un rêve d'enfant au final. J'espère qu'une chose, c'est retourner un jour sur ce podium. Donc pas avec le maillot blanc parce que c'est plus possible, mais voilà, un jour peut-être avec le maillot à pois ou quelque chose d'autre. Mais c'est un rêve de me retourner de nouveau derrière moi et de regarder l'arc de triomphe. Rolland's aggressive riding in search of stage wins, often to little or no avail, has seen his profile explode on social media, with the popular Attaque de Pierre Rolland craze receiving viral attention. But what does the former EF Education First Drapac squad member think of all that social media hype? Au début, ça m'a fait rire, plus ou moins, mais maintenant ça me fait vraiment rigoler, et c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'assez récurrent. C'est vrai que je suis peut-être un coureur un peu plus agressif que la moyenne, mais voilà, ça me dérange pas et ça me fait assez rigoler. Et puis maintenant, les supporters sur le bord de la route voilà, aussi poussent ces noms-là, et c'est vrai que c'est assez marrant, et puis c'est bien d'être supporté quoi qu'il arrive. Ma préférée, je pense, c'est... Je sais plus, mais je pense que c'était lors d'un match de foot ou le... Je sais plus trop, tu sais, toi ou...